Bon voilà, il est 19h là, la journée s'arrête là, c'est bien, c'est top. Ah, je suis un peu fatigué, donc si je parle mal, bon, faudra pas vous étonner. Donc en fait, j'ai mis 16 fois 7 plots de courge à raison de 2 graines par plot. Donc voilà, ça fait à peu près, ça fait plus de 200 graines. Voilà, ça fait 112 plots. 224 graines, voilà. Des fois j'en ai mis 3 aussi. Voilà. Alors bon, il y a un peu de tout. Voilà, en variété. Cette année, qu'est-ce qu'il y a? Il y aura de la hubarde verte et bleue. Ça sera nouveau. Le cabochat, que j'avais envie d'essayer depuis longtemps aussi. Voilà, et puis tous les autres, bah c'est du grand classique. Hein. Donc voilà. Enfin du grand classique, ce que je fais habituellement, quoi. Donc voilà, une petite salade. Ça a un peu du mal à pousser ici. Donc bah, je suis content, hein. Je suis content que ce soit terminé parce qu'en fait bah, ça prend du temps quoi. Je suis là depuis 11h. Alors j'ai pas fait que ça, hein. J'ai fait aussi les pommes de terre sur le côté là. Donc en fait j'ai tout un bras de pommes de terre qui va jusqu'à là-bas. Et puis j'ai son petit frère sur la parcelle d'à côté, exactement sur la longueur, sur toute la longueur, pareil. Et en fait j'ai 2 rangs de pommes de terre ici, puis un rang de pommes de terre aussi en latéral là-bas aussi. Donc ouais, bah, j'en avais acheté trop, donc du coup, ben, enfin, ouais, il fallait les mettre en terre, quoi, point barre, quoi. Et puis après, je me suis concentré là-dessus. Bah, même si c'est pas facile, non, même si c'est facile, je veux dire, bah, ça prend du temps en fait. Il y a rien à faire, quoi. C'est voilà. Alors ici, je me suis gardé une petite bande de terre ici, là, toute cette bande là. Pour pouvoir mettre des choux, alors j'ai des choux qui vont arriver, ils sont dans les semis, hein, de toute façon déjà, ils sont assez hauts, et puis aussi j'ai des fenouilles, voilà, alors ça, des fenouilles, c'est pareil, j'en ai fait 50, je sais pas ce que je vais en faire, et puis bah, puis après là-bas je mettrai les tomates, et puis tout le reste, poivrons, aubergines, piments, et les tomates, et c'est déjà pas mal, voilà, et après je vais racheter plein de petits plants, comme par exemple le céleri, les choses comme ça que j'avais fait l'année dernière. Et cette année, j'ai du maïs aussi à planter. Je sais pas où que je vais le mettre. Faut que j'y pense. Hein. Faut que j'y pense peut-être dans le fond là-bas. Voilà. Voyez, voilà où. Donc, bah ça, c'était pour une vidéo potager. Et je suis content que ça s'arrête.